Merci. Je crois qu'on va laisser l'attente, elle coûte 30 euros. Il est temps d'aller se confronter aux éléments maintenant. Allez, j'y vais. Mais viens, on a marché cette année. C'est là, c'est vraiment qu'il a annoncé celle-là. Le paysage, c'est. On voit même pas les montagnes en face. Allez, suivez-nous, tu sais faire. Cascade de glace. Vous avez la vraie glace sur laquelle on a dormi cette nuit. Mesdames et messieurs, je vous invite à me suivre dans le bassin donc extérieur. Oh. Regardez, regardez le Mont Blanc là-haut. C'est un commentaire partagé, tout ça, vous connaissez. Ah ouais, ouais. Wow. C'est n'importe quoi, il fait trop froid. Ah ouais gros, le sol il est glacé. Bah, on était venu pour ça, pour expérimenter la nuit en haut de cette. Ouais bah là je vais expérimenter le rentrage. Là on est en train d'expérimenter bien là on va. C'est glacé. Bon l'équipage, expérience terminée. On a souffert, on a dormi dehors. Enfin on a dormi, non, on n'a pas dormi du coup parce qu'il fait vraiment très froid. Mais du coup voilà, la nuit se termine, on va rentrer et puis on va. On va faire un suite de la vidéo du coup. Pourquoi t'as fait ça? Je crois vous faire. C'est pas cool du quartier, putain. On va souffrir le temps de remettre les habits, de sortir de cette tente. Je crois qu'on va laisser la tente, elle coûte 30 euros. On la laisse là. Tant pis. C'est combien moins 4? Sachant que la neige, en fait, on est sur de la neige, donc c'est une chambre froide en fait, la tente. Et on n'a pas d'isolant avec le sol, donc effectivement, c'est bien pratique. On a caillé, donc là, on s'arrache, il est temps de passer la suite de l'aventure. Vous allez voir, la suite de l'aventure n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu là. Elle va faire très plaisir. On a souffert. On a souffert. On a vraiment souffert. Du coup, on est parti d'une montagne. Il est quelle heure là? Sans rien. Là, il est 7h30. Comme d'hab, on n'a rien pris, on a souffert. Ouais, la pizza froide, vous mangez ou pas là? Je mange tout là. Pizza froide du matin. Non, je mange pas au fromage, que au thon. Pizza au thon? What? T'as sorti un goût au hasard, gros, il t'a dit au thon. Non, j'aime bien le thon en merguez. Que de saveurs, toutes les autres. Moi, la banane écrasée, je la mange, frère. À partir de ce moment-là, déjà à la base des bases, j'aime pas les bananes. Ce que je redoute le plus, c'est mes yeps. Je vais mettre les chaussures, elles vont être congelées. Je vais avoir trop mal aux pieds. Dans les top trucs qu'on sait manger. Vous voyez un petit peu dehors là? Vas-y. Bam. Regardez ça. Waouh. Oh, on s'est mangé des rafales de vent, il y a toujours du vent de ouf. Il est temps d'aller se confronter aux éléments maintenant. Allez, j'y vais. La glace aussi, mais on prend des frappes comme ça, on se dit on va dormir comme ça dans le froid, juste pour voir, juste pour tester. Je dois avoir une de ces coups là, franchement, avec les tenues que j'ai mis, il fait pas froid actuellement, ça peut vite changer. Ça va? Ouais. Ouais, vas-y, on va. Allez, à tout de suite l'équipe. J'ai pas les mots. Dans le gros, vous voyez où on est. Vous avez capté, on va prendre des sièges pour repartir. Parce que la descente, on l'a déjà faite. Il pleut sa mère. Donc à un moment donné, ça casse les couilles. Que t'es fragile. À un moment donné. Parce que pour ce qui va se passer après, on n'a pas le temps de et descendre et faire ce qu'on a à faire. Et Dorian travaille à 17h. Il faut le rappeler quand même. Donc là, on va descendre dans l'atelier-siège. De toute façon, la descente, on l'a déjà faite si vous ne l'avez pas vue. C'est téléphérique. Sur l'autre vidéo, ouais, téléphérique. Si vous n'avez pas vu la descente à pied, vous allez sur l'autre vidéo et vous regardez. Oh là, c'est pareil, ça change pas. C'est la même chose, nous on l'a déjà fait, on va pas le refaire. Vas-y, let's go, c'est à prendre, c'est à descendre, ça va se prendre un bon truc chaud à manger, un petit croissant et tout là. Un croissant de lune. Le gars est prête pour face à toi. Alors que. Merci beaucoup.
On a grimpé la tour. On a grimpé là. C'était des malades. Hein? On a monté tout ça en pleine nuit, pleine gym, on voyait rien. Là, dans 15 minutes, on est en bas, on va boire, on va manger quelque chose. Ensuite, on va se mettre bien. On va se voir ça en vidéo. On s'accroche sur la rampe. La première fois qu'on a descendu cette montagne, on a tout fait en ligne droite comme des connards. Là. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est nul. On est venu, on a marché. Ah ouais, mais celle-là, ça fait un moment qu'il a lancé celle-là. Vous faites quoi? Ah, vous êtes Christophe? Non, on fait pour être Christo là-bas, parce que moi, je fais un CAPT ici. D'accord. Mais il y a un directeur. Ah, ok, tu veux. Ah, possible. Ouais. Je fais juste un point topo. Un point topo. Vas-y. Il rigole tout ça, là, c'est propre vague. Oh, le mec, il met pas son cache-coup pendant tout le truc. Il le met une fois qu'il en va. Une fois que je suis en ville. Vas-y. Donc bref, on va essayer de se trouver un endroit pour boire un chocolat chaud, manger un truc, et ensuite on va se diriger dans l'autre endroit dont on ne vous donne aucun détail. Vous verrez ça en vidéo, il faut rester accroché, mais ça va être incroyable ça. Des paysages de fou, des paysages de poids, 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 des paysages poids. On va faire des aventures, mais on va se prendre un truc sur la carte. Que je lis un petit café avec ce petit compresseur. Vas-y, lis la carte. Lis la carte, la carte. Et tu veux quoi, t'as des pains au chocolat, je sais ce que tu veux. On dirait pas mec qui fait du javelot en ville là. On dirait pas que c'est moi qui vais vous servir là. Ouais. Mais je sais pas ce qu'il me faut. Super club. Que des petits dés. Bref, en gros ça se prend le petit déj tranquillement. De toute façon vous le voyez là. Chocolat chaud, croissant, des tartines, bam, la confiture du Nutella, ça se met bien. Ensuite ça s'arrache tout simplement. 2h40, ensuite on va se diriger faire ce qu'on a à faire. C'est bon, qu'est-ce qu'il... On a payé. Et on va la mettre sur nos tartines parce qu'on en a fait que tu la manges, Billy. C'est pas possible. Une grosse flaque comme ça tout à l'heure là. Je t'ai fait brain. Il y a ça. C'est beau que la pluie, non? Ouais, c'est incroyable. C'est bien, c'est ça. On voit même pas les montagnes en face. Incroyable, non? Incroyable, mec. Allez, suivez-nous au cul, c'est ferme là. Il est là. Nous, on n'a pas peur. Il y a des gens à poil là-bas. On n'a pas peur. Alors, bienvenue dans le domaine de QCTR, monsieur le mouvement. Je vais faire une petite visite guidée, en personne. Ah, c'est venu là, QCTR, mais... Il a pas du tout le bon comportement pour venir ici, lui. Bah là, on va vous filmer tout ce qui va se passer à QCTR, ça va être incroyable. Non, moi, ça... Mesdames et messieurs, je vous prie de me suivre à l'intérieur de... nos espaces chez QCTR, nous allons nous diriger vers le vestiaire des hommes où nous pourrons nous vêtir d'une bière de claquettes d'après moi et ainsi rejoindre les espaces de bien-être. Voilà. Vas-y, ferme ta gueule, je vais me vêtir. C'est où ? C'est l'entrée. Il n'y a personne ? Fais trop la jambe sécu. Les vestiaires se trouvent par ici, messieurs. Allez, nous avons le numéro 74. Ah, j'ai pas vu le numéro. Regardez le numéro que nous possédons juste ici sur nos bracelets. Nous avons gardé tout au long de notre séjour. 73. Ta gueule est sous moi, je crois. Oh. Ta gueule est sous moi. Oui, chef. Oui, chef. Y'a un sac. On se dirige pas, bon. C'est ça fait plaisir. Allez, Pello, tu fermes ta gueule et tu me suis. Pello, y'a du raisin, je vais dégringuer la grappe. Le premier truc, jacuzzi, ça fait plaisir. On appuie sur le bouton, il y a des massages, il y a tout. Là-bas, il y a un côté. On porte de l'eau. T'as dit quoi? Ouais, c'est une chose de dehors, mais il y en a un peu dehors. Regarde, t'as monté, il y a un peu dehors. Ah, donc cette pièce. C'est incroyable. Incroyable, ça fait vraiment du bien de s'allonger sur une table d'eau et tout là. Ça fait juste appuyer, ça coupe. Du coup on profite tranquillement de l'eau qui coule.
ne laisse pas incroyable. La prochaine pièce sera tout aussi incroyable. Ça va être fou. Oh là là. C'est mon dernier message d'espoir. Vas-y, on se retrouve pour les prochaines activités. La glace là, cascade de glace. Vous avez la vraie glace sur laquelle on a dormi cette nuit. La frotte, frictionnez sa peau avec la glace. Après le sauna, vous bain à vapeur pour un effet énergisant. Ça dit, je peux vous dire que ça énergise. Là, un sauna cinéma. Donc, il y a un cinéma. Pas très bon, très bon. On a posé ça juste ici, là pareil, du gomme à chaussettes, là, du bon gros sel, là, ça se le frotte partout, c'est énervé. Il y a des trucs de partout, chaque pièce, là, il y a sur la ski, celui qu'on vous a montré au début, celui-là, le hammam des étoiles, celui-là, il est à la menthe. Et on vient se ressourcer de nouveau. L'eau qui vient tout droit du Mont Blanc, qui coule juste ici. Voilà. Là, t'as l'impression d'être un super héros. Mesdames et messieurs, je vous invite à me suivre dans le bassin donc extérieur. Regardez, regardez le Mont Blanc là, là-haut. Enfin, le Mont Blanc. On voit pas. D'abord, vous montez. Regardez, merci. Là-haut. Incroyable. Là, dites-vous, des fois, c'est totalement dégagé, vous avez une vue de fou. Et là, en tout cas, il y a du brouillard. Du coup, il y a la vapeur qui sort de l'eau, ce qui fait bien froid à l'extérieur. Ça fait bien plaisir. C'est-à-dire que là, oh, Sky m'arrasse là. Et là, Sky plus m'arrasse. Mesdames et messieurs, pour se faire plaisir, des petits transats à l'intérieur de l'eau. T'as vu, ça tue en vrai. Regardez ce malade là-bas, là, je sais pas si on le voit. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, Tchétchène, il est là pour se battre, lui. Tape-le, tape-le. Regardez, il pleut. De ouf. Quand on est dehors dans le bain, il fait chaud, ça fait plaisir. On peut se prélasser, se mettre au bord du rebord juste ici. On peut même effectuer des petits dips dessus, juste après ce cortège par la sécurité. Tout va bien? Tout va bien? Bon, bah, c'est encore une fois une fin d'aventure. On a fini d'être à QC Terme. On sort d'ici et puis on rentre à la maison. Lui il est comme ça, lui il est en short comme ça et moi ben, je suis tiens. Un débardeur. Moi je suis un débardeur actuellement. On rentre à la maison, c'était une belle aventure, on espère qu'elle vas-y arrête de parler. On espère qu'elle vous a plu. C'est quoi on termine la vie? Laissez un commentaire, partagez là, tout ça, vous connaissez les bails. Et d'ici à ce qu'on se revoit, d'ici à ce qu'on se revoit, restez tout simplement. Allez, à demain.